entreprise s'appelle l'Atelier des Ombrages. Je fais de la peinture et de la patine sur les meubles et je donne aussi des cours. Un cours se déroule, alors les gens viennent avec le support et donc après moi je vais les aiguiller pour dessiner le motif. Ce qu'il faut c'est que je ponce pour enlever tout le vernis. Après, suivant l'essence du bois, je vais mettre un produit pour éviter les remontées tanniques du bois. Si le meuble n'a pas de remontée tannique, bon, bah, je peux faire tout de suite la peinture et la patine suivant la demande des gens, en fait. Et après, je pose un vernis en dernier qui vient protéger le tout. Les qualités requises pour ce métier, ce sont un goût pour la création et puis beaucoup de patience aussi, parce que bon, c'est pas évident de refaire un meuble, ça se fait pas comme ça, il y a des temps de séchage à respecter. Ce qui me plaît le plus, c'est la créativité. Voir les gens aussi, les conseiller en décoration, sur les couleurs aussi. Une fois que le meuble est fait aussi, des fois je vais chez eux, je leur dis on peut le placer ici ou pas. Alors ma relation avec mes clients, donc elle peut être diverse. Pour certains, donc je vais chez eux pour voir le meuble, pour discuter avec eux de ce qu'il y a à faire. Une fois que le meuble est fait, après voilà, c'est bon, je repars. Par contre, des fois lorsque je vais faire des chantiers à domicile, comme j'ai fait un récemment, là, c'était une dame qui était veuve depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai que la bibliothèque que je devais lui faire, il y avait plein de choses qu'elle n'osait pas vider dedans, tout. Et le fait que je vienne, que j'intervienne, eh bien, ça lui a permis de vider cette bibliothèque et d'avancer, en fait. Ce que je dirais à la jeunesse, que l'artisanat, c'est un secteur qui mérite d'être connu, dans lequel on peut énormément s'épanouir, comme c'est un métier créatif aussi, oser, tenter.